tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'ouverture de la workshop box pour voir le contenu ainsi que le nom donc du gagnant. Voilà donc la box que vous pouviez donc gagner lors du concours qui se déroulait donc pour les 200 abonnés de ma chaîne. Voilà donc je vous montre un petit peu donc la boîte et tout ça. Donc là on va ouvrir, si j'y arrive facilement bien sûr. Donc en ouvrant par dessus, vous allez en fait donc pas pouvoir du tout, mais vraiment pas du tout avoir les pains de Fimo et tout ça, non pas du tout. En fait c'est juste le petit le petit outil que vous pouvez avoir en fait. Donc voilà, j'essaie de l'attraper, voilà. Donc ça, pour vous faciliter lors de la réalisation donc des cannes que vous pouvez faire grâce à cette boîte en fait. Voilà. Donc maintenant, ça ne s'ouvre pas du tout par là en fait. Je croyais que c'était par-dessus, mais pas du tout. En fait, c'est là en dessous. Donc va falloir en fait, avec les ciseaux, couper les petits collants donc sur le côté et en dessous. Donc voilà, on enlève le dernier petit morceau. Et voilà donc comment ça se présente quand on ouvre donc sa boîte. Donc vous avez les 4 pains de Fimo, le petit fascicule juste ici. Donc avec toutes les explications donc, pour réaliser donc, le thème de la boîte. Donc les 4 pains de Fimo. Donc c'est dans les anciens emballages encore. Donc ici vous avez de la Fimo, donc c'est du blanc. Donc classique, les 4 sont classiques. Donc ici c'est du blanc. Ensuite vous avez donc du jaune. Voilà. Ensuite on passe donc au turquoise ici. Voilà. Et donc le dernier pain de Fimo, c'est donc du vert feuille, il me semble, oui voilà. Vert feuille. Voilà. Donc pour réaliser de jolies petites cannes. Donc faire de jolies petites réalisations. Donc, comme indiqué donc sur la boîte. Donc vous n'oubliez pas donc le petit outil bien sûr, et vous avez aussi un petit une petite notice en plus donc avec les conseils d'utilisation il me semble et tout ça. Donc voilà donc pour la boîte. Donc voilà aussi donc je vous montre un petit peu le fascicule, donc les explications pour faire donc vos réalisations, pardon, vos réalisations. Voilà donc tout est bien expliqué par étapes. Voilà donc pour le contenu de cette petite box, j'espère vraiment que ce concours vous a plu. Voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vraiment, est-ce que je devrais encore en refaire dans un futur proche, pourquoi pas. Donc voilà, donc je vais sans plus attendre passer donc au nom du gagnant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est le nom du gagnant qui est indiqué juste là. Je n'ai pas eu les 50 participations, mais j'avais quand même envie de vous faire gagner cette box. Donc voilà, vous étiez une dizaine, je pense, à participer et je vous remercie vraiment. Donc voilà, donc le nom du gagnant est là. Donc c'est Fuel PVP, donc Fuel PVP, il me semble. Voilà, donc il a été choisi aléatoirement par le site Mini Web Tool, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous ai laissé donc indiquer pour que vous puissiez, si jamais vous en avez envie, vous en servir à votre tour, donc de ce site, qui est vraiment, ma foi, très bien, je trouve. Donc voilà, il suffit juste de noter tous les noms des participants dans l'encadré, comme vous pouvez voir, il y a une flèche, donc c'est-à-dire qu'il y en a, tous les autres noms sont juste en dessous, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas votre nom, il est vraiment donc juste en dessous, c'est juste que malheureusement, avec l'encadré, je ne peux pas vous montrer la totalité des noms. Après il suffit juste donc de cliquer donc pour choisir juste en dessous là le petit encadré pour choisir donc le gagnant. Et voilà donc la première personne qui est tombée, c'est celle-ci. Donc je vais te laisser un message donc en privé pour, afin de te demander justement tes coordonnées. Donc si jamais tu ne reçois pas le message, s'il y a un souci ou quoi, n'hésite pas à venir vers moi afin de me donner donc tes coordonnées pour que je puisse faire l'envoi donc le plus vite possible. J'espère vraiment que ce concours vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu aussi, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.